Bonjour à tous et bienvenue dans ce second épisode de la vente anniversaire, où nous continuons notre découverte des constructeurs de l'univers de Star Citizen, avec aujourd'hui l'un des plus emblématiques, Robert Space Industries. Vous pourrez donc vous rendre aujourd'hui à l'Aerospace Expo pour voir les vaisseaux emblématiques de chez RSI, dont le Constellation, le Aurora ou encore le Ursa Rover. Comme précédemment, nous retrouvons Jared et ses comparses discutant du constructeur du jour. Le Constellation est un vaisseau un peu particulier, puisqu'il est conçu pour accueillir un vaisseau spécifique d'une autre marque, Kruger, où en fonction des versions, vous aurez soit le Merlin, soit l'Archimède. Une autre particularité de Robert Space Industries est d'être le nom du site sur lequel nous nous connectons. Et la première chose à laquelle on peut penser lorsque l'on parle des vaisseaux RSI est l'armature, qui est en permanence dans notre champ de vision lorsqu'on utilise l'un de leurs vaisseaux. Quelle que soit la direction dans laquelle vous regarderez, vous aurez toujours un bout de métal devant les yeux. Une fois cette plaisanterie un peu passée, on peut aussi dire que les vaisseaux RSI représentent parfaitement l'armement civil, car RSI s'adresse avant tout à un public de masse, et table sur l'utilitaire du quotidien. Par exemple, le Aurora est un peu le couteau suisse du débutant, vous permettant de faire n'importe quelle activité très facilement, à un prix très abordable. Il est d'ailleurs à ce jour le vaisseau le plus acheté dans Star Citizen avec pas moins de 400 000 Aurora vendus. Les variants du Aurora permettent d'avoir l'avant-goût de toutes les facettes du jeu, et de choisir ce que l'on préfère, que ce soit tirer sur les gens ou aller les sauver. Donc si vous n'avez jamais joué et que vous voulez profiter du free fly pour découvrir l'univers, l'Aurora est un bon moyen de débuter. L'autre grande star de ce constructeur est le Constellation, qui permet de facilement jouer seul et de découvrir tous les aspects du voyage avec un équipage. Le tout premier à avoir vu le jour est le Constellation Andromeda, dont les développeurs souhaitaient dès le départ qu'il puisse être modulable. Il est donc comme un assemblage de Lego, ce qui leur permit par la suite de faire les autres variantes beaucoup plus rapidement, avec l'ajout le plus récent, le Constellation Phoenix. Le Phoenix est très particulier car tout l'intérieur du vaisseau a été retravaillé pour en faire une version luxe. Le Constellation est parfait pour commencer à diversifier les rôles dans une équipe, car vous ne serez plus seulement le meilleur pilote ou le meilleur combattant, vous devrez aussi devenir le meilleur ingénieur ou le meilleur opérateur de scanner. Ce sont des postes tout aussi importants que les autres, car comme dans les films de SF, une bonne action de votre part pourrait sauver la vie à tout l'équipage. Sa conception particulière permettra aux Constellations d'offrir à votre équipage un large choix de possibilités de gameplay. Sa grande soute sera idéale pour attaquer le métier de transporteur de manière très sérieuse, et son armement conséquent sera dissuasif lors de missions d'escorte. Et si vous intéressez plus à l'exploration, la soute peut accueillir très facilement un Ursa Rover. C'est aussi dans l'espace de ce vaisseau que vous pourrez apprécier pour la première fois la spatialisation des sons. En entendant votre coéquipier s'éloigner de vous, la VoIP et la FoIP créant ainsi une immersion des plus totales. Si les développeurs ne devaient choisir qu'un seul vaisseau parmi tous ceux disponibles, John choisirait l'Orion, avec ses mâchoires gigantesques et ses rayons dévastateurs. Là où un prospecteur fera des égratignures sur un rocher, l'Orion le broiera en morceaux. Chris choisirait l'Andromeda, qui pour lui est le vaisseau le plus diversifié. Josh lui choisit de se faire des amis avec le Constellation Phoenix, car il aime la partie luxueuse mais qui conserve tout de même le charme du Constellation. Et voilà pour ce constructeur iconique présent partout dans l'univers de Star Citizen. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui parlera d'Origine. À propos d'Origine, nous représenterons ce constructeur ce soir sur la chaîne Twitch de Star Pirate News. Cette vidéo est maintenant terminée, merci à tous d'avoir regardé, j'espère qu'elle vous a plu. Merci aux tipeurs pour leur soutien. Vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux ainsi que sur le Discord Roxy-la-Rotule. Les liens sont dans la description. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un tour sur notre Tipeee, mais aussi partager cette vidéo, vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Moi je vous dis à très bientôt, bisous des étoiles!